C'est tout, c'est tutoré, j'espère que vous m'en cas. Et on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo commentée. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je joue avec la CR 6.8, Komatsu Passpass Pro, Bonnet Pro et Tireur d'Elite Pro. Je joue avec la MP9 en arme secondaire. Je suis en domination sur la map Résistance. Donc, ceci sera une grosse vidéo quand même qui va durer 12 minutes où je vais vous parler de plein de petits sujets, de plein de petits projets, de plein de petites choses durant cette petite vidéo. Donc on va commencer tout de suite par mon petit sujet. Donc ce sera déjà un gros gameplay, on va dire, quand même avec un assez bon score avec la CR 6.8. je compte envoyer cette vidéo à aucune chaîne communautaire vu que la vidéo sera un gameplay à la CR, donc on en voit déjà tellement. Et de deux, parce que je vais vous parler de plein de petites choses qui n'intéresseront pas particulièrement les abonnés de chaîne communautaire. Donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai créé un Twitter pour mes abonnés, spécial abonnés, où je vais dire un petit peu mes dernières actualités, mes vidéos qui vont sortir en avant-première, vous dire quand je ferai des open lobby, etc. Donc ça sera vraiment le Twitter spécial abonné. Donc je vous invite à me suivre, je vous mettrai dans la description mon Twitter, ensuite mon Steam pour m'ajouter, pour savoir à quel jeu je joue, quand je suis connecté, si je suis souvent connecté ou jamais connecté. Ensuite un Skype spécial abonné, donc je vous invite à me supprimer mon Skype officiel parce que je vais vous réajouter sur mon Skype spécial abonné pour me retrouver mieux, pour savoir qui sont mes potes IRL, qui sont mes abonnés. Donc je vous invite à me rajouter sur mon Skype abonné qui va s'appeler YouTube Tutoring pour que je me retrouve mieux, tout simplement. Voilà, alors là j'ai parlé un petit peu de mes séries. Alors une série Minecraft, donc je compte arrêter le guide de survie à Minecraft. Vous allez me dire pourquoi Dani t'arrête, parce que il y a déjà tellement de guides de survie. De deux, j'ai envie de faire une série hardcore pour savoir si je suis assez fort sur Minecraft pour résister assez longtemps. Donc la série va se nommer My Life Minecraft. Donc ça serait une série hardcore avec des mobs rajoutés. J'aurai qu'une seule vie, donc il faudra vraiment que j'arrive à réagir, à résister très longtemps. Ensuite, durant cette série, vous allez me proposer des défis, par exemple, tuer 3 monstres durant la nuit sans armure et avec une épée en bois. Tout ça, ça sera une série pour vraiment que les abonnés réagissent durant les commentaires, tout simplement. Ensuite, la série découvre un jeu qui marche toujours aussi bien. Ensuite, des vidéos sur Call of Duty, comme vous le voyez. Et des vidéos sur Battlefield Play for Free. Donc Battlefield Play for Free est un jeu disponible uniquement sur PC. C'est un Battlefield gratuit avec des serveurs privés, etc. C'est vraiment un Battlefield assez sympa avec d'assez beaux graphismes pour un jeu gratuit. Je vous ferai juste après cette vidéo une vidéo présentation du jeu complet Battlefield Play for Free. Donc je pense avoir dit toutes les choses que j'avais à dire pour l'instant. Ensuite, répondez vraiment à tous les sujets que je vais vous proposer durant cette vidéo. Alors, durant la vidéo sans abonnés, vu qu'on est déjà à 107 abonnés, je m'excuse, j'aurais dû préparer juste ça un petit peu avant, mais bon. Donc, durant la vidéo sans abonnés, j'aurai une vidéo qui va se dérouler en plusieurs parties. Donc, la première partie est l'open lobby. L'open lobby, est-ce que je filme juste les parties et je commente nos différés, ou je commente directement avec les abonnés sur Skype? Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, la deuxième partie sera la partie live sur MW3 ou MW2 avec mes abonnés ou tout seul. Et la troisième partie sera la partie FAQ, foire aux questions. Vous allez me poser des questions et moi j'y répondrai durant la vidéo. Donc dites-moi si 3 parties pour la vidéo sans abonnés peuvent vous plaire. Et dites-moi les questions que vous allez me poser. Donnez-moi vos pseudos pour l'open lobby, etc. Je pense fixer l'open lobby le samedi. Le samedi qui arrive, hein. Je sais pas ça sera le quand, mais le samedi vers 16h où tout le monde est assez disponible, tout simplement. Voilà, je ferai une vidéo spéciale foire aux questions et open lobby. Une petite vidéo où je vais vous dire salut tout le monde, c'est Dani. Et posez-moi vos questions durant cette vidéo et donnez-moi vos pseudos, si tout simplement je vais lire ça dans une petite vidéo de 2 minutes. Et là-bas, vous allez me balancer tous vos pseudos Steam, tous vos pseudos Skype et
vous allez me poser des questions pour la foire aux questions, tout simplement. Donc, déjà dans les commentaires de la vidéo, dites-moi si un open lobby ça vous intéresse, si bah, la foire aux questions ça vous intéresse, et si enfin les lives vous intéressent. Je vais vraiment vous faire réagir pas mal dans les commentaires de la vidéo. C'est pas moi dans mon coin qui va faire mes vidéos, c'est vous qui allez interagir avec moi pour faire les vidéos. C'est comme si vous étiez à côté de moi en train de faire les vidéos avec moi. Donc ce serait une grosse domination quand même, étant en compagnie de Nico Rimo, dont je vais vous mettre sa chaîne, dédicace à lui, mon frère. Ensuite dédicace à Chouchou Crafting, une petite fille qui est abonnée à ma chaîne. Et Iroom, qui est aussi abonné à ma chaîne, un jeune youtubeur qui fait vraiment des vidéos vraiment pas mal. Dédicace à vous trois. Je vais pas dédicacer tout le monde, mais je tenais quand même à vous dédicacer vous trois, parce que voilà, vous êtes mes abonnés et vous êtes vraiment actifs et vous faites des vidéos et puis voilà, tout simplement. Alors je tiens aussi à dédicacer deux dernières personnes qui sont HGS Cooper, qui fait vraiment des bonnes vidéos sur Minecraft, et un abonné actif, un pote aussi à moi, et Exotic GP qui fait aussi de très bonnes vidéos sur MW3 cette fois-ci et sur des Battlefield anciens. Voilà. Donc c'est fini pour la dédicace. Donc j'ai mis une color correction sur Call of Duty. Dites-moi si ça rend bien ou pas. Si ça rend pas très bien, bah dites-le moi. Comme ça, pour les prochaines vidéos, j'en mettrai pas. Et si ça rend bien, au contraire, bah j'en mettrai d'autres plus travaillés et beaucoup mieux. Voilà. Donc j'ai dit vraiment toutes les choses que j'avais à dire durant cette vidéo. Je sais pas quoi trop dire, à part que je jouais avec les glisseries drone, missile predator et hélico assez durant ce petit gameplay. J'ai parfois souvent me retrouver dans le spawn ennemi et devoir me gérer pas mal de personnes pour réussir à faire pas mal de kills. Donc nous on dit pas non à des petits jeux gratuits comme Battlefield Play for Free. Et on dit pas non à des vidéos commentées, j'espère. Donc la vidéo spéciale de 300 abonnés plutôt sera vraiment une petite vidéo que je vais me donner à fond pour la faire, en espérant qu'elle vous plaise bien sûr, parce que si je fais tout ça pour rien et pour m'en ramasser 2 likes et un com, je pense pas que je referai des vidéos, ça c'est sûr, tout simplement. Voilà. Alors ben, je suis déjà à pas mal de vidéos, déjà je suis déjà à 17 vidéos, donc avec celle-là 18, je ferai des playlists pour que vous y retrouviez mieux. Je cherche aussi un éditeur, un graphiste, donc si vous pouvez m'aider à chercher un petit graphiste, un petit éditeur, ce serait vraiment avec plaisir que je le prendrais, parce que je veux changer un petit peu de background et de logo pour le mettre en haut à droite de mes vidéos, ça fera un petit style je trouve. Donc voilà. Alors j'ai vraiment plus beaucoup de choses à vous dire. Hein. Alors, on va regarder un petit peu la vidéo. Donc, j'ai pas mal joué intelligemment quand même durant cette vidéo. J'ai pas foncé comme un imbécile non plus. Mes hélicos vont faire pas mal de frags, mais la plupart des frags vont être faits à l'arme quand même, je trouve. Hein. Donc je compte faire bientôt ma première map. Je vais essayer d'en faire une quand même. Parce que je n'ai toujours pas fait ni de nuke ni de bombe nucléaire. Donc je compte quand même faire une fois dans ma vie au moins une bombe et une bombe Moab et une bombe nucléaire. Ça serait pas mal et vous la commentez sans suspense je pense hein, parce que ça sera ma première hein, et j'ai envie de vous la commenter tout simplement. Donc voilà. Alors moi j'essaie vraiment de répondre à la plupart de vos commentaires dans la vidéo. Je pense répondre à tous les commentaires. Hein. Et si un jour j'arrive aux 200 abonnés, etc., eh ben je répondrai toujours à vos commentaires, etc. C'est pas ouais, c'est bon, j'ai pris la grosse tête, c'est bon, je fais des vidéos, je change tout d'un coup, et je réponds plus à vos commentaires, ce sera tout le temps la même chose. Toujours la même vidéo, beaucoup mieux je pense, bien sûr, mais toujours le même commentateur, et qui répondra toujours à vos questions. Donc voilà. Alors. Donc ajoutez-moi sur Steam, Skype, Twitter. Pour savoir toutes mes dernières actualités, je pense que j'ai pas parlé de mon petit forum que j'ai lancé, que je vous mettrai dans la description de la vidéo, où en fait, je vais un petit peu vous mettre des vidéos en actualité, en exclusivité tout simplement. Ensuite, là-bas, je vais vous parler, par exemple, une rubrique Call of Duty,
on va parler un petit peu des armes, ce que vous en pensez de ce jeu, ce qu'il devrait faire pour le prochain Call of Duty. Ensuite, une rubrique Battlefield Play for Free, une rubrique Minecraft, etc. Dites-moi si un petit forum pourrait vous intéresser, parce que je pense faire ça sérieusement pour que ça vous plaise tout simplement et faire une présentation de ce forum. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Donc allez faire un tour sur cette grosse description, il y aura pas mal de choses que vous devriez aller voir. Donc la vidéo arrive bientôt à son terme, je vais vous dire le score de fin vu que la vidéo arrive bientôt à son terme. Donc je vais finir sur un 63-19, un très bon score, et Nico va finir sur un très bon score lui aussi. On va faire un assez bon score, j'ai pas mal joué l'objectif je pense vu que je suis surtout un objective player. Donc ça veut dire que j'ai pas mal joué l'objectif. Je risque ma vie plusieurs fois par exemple pour mourir, mais pour capturer les drapeaux. Donc voilà. Donc dites-moi si je dis trop de fois donc et pas mal de petites choses pour que je m'améliore durant mes commentaires. Je vais envoyer cette vidéo à Origin Commentaire pour pas vous saouler vu que c'est vraiment pour mes abonnés, pour qu'ils sachent ce que je vais faire durant mes vidéos. Et voilà. Donc il reste 30 secondes de gameplay. Et voilà tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à me dire ce que je dois améliorer, à répondre vraiment à toutes les questions que je vais vous poser durant cette vidéo, à y répondre en commentaire, à me dire si vous êtes partant pour un open lobby, etc. Donc moi je vous dis bye tout le monde, c'était Tchutonani pour une petite vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je vais libérer pas mal de fois mes petits killstreaks qui vont faire un vrai petit carnage pour ma part. Donc voilà, je vais vous laisser sur la fin du gameplay. Et moi je vous dis bye tout le monde, c'était Tchutonani pour une grosse vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Allez, bye tout le monde.